Ah, le premier Raidillon, c'est jamais pied à fond. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la toute dernière voiture ajoutée à iRacing. On est à bord de la Porsche 911.2 RSR version 2018, la voiture qu'engage le constructeur allemand en WEC, le championnat du monde d'endurance. C'est une GTE, bien entendu, elle fait partie des futures voitures qui vont venir agrémenter la catégorie in-game. Et il y aura une deuxième GTE qui sera présentée avant les 24 heures du Mans virtuelles, parce que vous savez qu'elles auront lieu au mois d'août sur iRacing. Alors on est sur le circuit de Spa-Francorchamps, pourquoi? Parce qu'on va tester demain et après-demain sans doute le pack dédié aux 24 heures du Mans sur P4 2. Donc je pense qu'on verra assez le Mans en ce moment. Donc je me suis dit pourquoi pas aller tester cette voiture sur le circuit de Spa-Francorchamps. Vous avez en haut à droite les spécificités techniques de cette voiture qui défile devant vous. Donc vous donner un peu plus d'informations sur tous les composants mécaniques et un peu d'histoire de cette voiture. Particularité qui n'est pas à négliger, c'est la première Porsche avec le moteur central arrière, ce modèle-ci qu'il faudra donc surveiller avec une promesse de stabilité. Ce sont les premiers tours de roue que j'effectue avec cette voiture. Je peux vous dire qu'au niveau du freinage, c'est pas très simple. Peut-être que ma pédale de frein n'est pas très bien réglée non plus pour cette voiture. C'est évidemment les choses qu'il faudra affiner avec la pratique. On est sur le circuit de Spa, évidemment, je pense que vous l'aviez reconnu. La voiture est en réglage stock, pas d'amélioration. Et on est avec la livrée d'origine, même si à l'heure où je tourne cette vidéo, les premières décorations sont déjà disponibles. Alors, on va faire un tour d'horizon de la voiture, bien entendu, comme à notre habitude. On passe tout de suite sur le côté LED, hein, diode, que j'apprécie vraiment beaucoup. Ici, c'est la première chose qui m'a frappé dans le cockpit de cette 911. Également, une autre chose après un premier tour, c'est la stabilité. La stabilité dont fait preuve la voiture, c'est assez effarant pour une GTE. Alors évidemment, la voiture, vous aurez reconnu ses couleurs. Hein. On est avec la décoration hommage à ce célèbre cigarettier Rothmans qui a longtemps accompagné les Porsche au Mans, à l'époque des 962C notamment. Alors, au niveau de la voiture, faisons un topo complet, si vous le voulez bien, dans ce deuxième tour, avec tout d'abord le comportement, la physique. Alors, c'est très difficile de donner un avis assez rapidement, mais je trouve qu'elle est plutôt stable. C'est pas le cas de toutes les GTE. La Ferrari 488 et la Ford GT, qui sont les deux premiers modèles disponibles. Je trouve que celle-ci est particulièrement stable en virage. Alors après, il faudra évaluer une nouvelle fois la capacité de voir la BOP évoluer avant le Mans. Même si évidemment, celle-ci semble être une voiture beaucoup plus sûre que les deux autres. Même si j'ai un petit faible pour la Ferrari par rapport à la Ford. Le passage dans le double gauche qui est un petit peu trop large. Oui, ça manque cruellement d'appui à l'avant. Là, j'ai tout de suite envie de régler pas mal de choses, mais on s'en occupera peut-être pour une future course en GTE dans l'aventure iRacing. Pour l'instant, on est en 13e semaine, donc on ne peut pas faire grand-chose. Le passage du raccordement. Alors, au niveau de la réalisation, la voiture est très jolie. Vous avez l'occasion de la voir évoluer grâce à la magie du montage sous différents angles, notamment en vue télévisée, en vue extérieure. Et je trouve qu'elle est très très jolie, très réussie. Au niveau de l'angle mort, c'est pas trop compliqué par rapport à la Ford, hein, qui est très compliqué à gérer à ce niveau-là. Ici, on a pas mal de visibilité périphérique, hein, sur la voiture, à gauche et à droite. Évidemment, moi, je roule ici en simple écran, mais en triple screen, on voit bien les choses également. Elle est très très maniable, à l'image peut-être d'une GTE. Alors, évidemment, on peut régler le traction control et tout le reste, évidemment, ici, sur le volant, vous voyez toutes les informations qui sont inscrites. Et donc je pense que ça va devenir la coqueluche des fans de la catégorie GTE, de par sa nouveauté bien sûr, mais surtout de par son comportement. Très 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 bon feeling. Je sais pas si on pourrait tenter avec ce setup un Raidillon à fond. Je sais pas si au niveau aéro ça peut passer. On coupe un petit peu, hein. On est en off-track avec un setup de base, mais le Raidillon passe sans problème pied à fond avec une voiture chaude. Au niveau du son, l'immersion parfaite. Ce moteur
fait le son qu'il doit faire. Je trouve que c'est particulièrement correct. Je vous laisserai apprécier d'ailleurs pendant quelques tours en fin de vidéo le son de cette voiture en vue interne et externe une nouvelle fois. Avec pas mal de sous-virages hein, de base, c'est logique, même avec les pneus chauds. Alors cette voiture a une particularité face aux deux autres Ford et Ferrari disponibles, c'est qu'elle est issue de la réglementation 2018. Alors en soi vous me dites, oui mais enfin Matsu c'est pas un problème, sauf que si, ça peut être un problème pour les courses multiclasses, et c'est ce dans quoi évolue cette Porsche, puisque les autres voitures de la même catégorie sont équipées de phares de couleur jaune. Et ça a déjà fait énormément débat sur les forums iRacing avec eh bien, la Ford GT 2017 et la Ferrari en phare jaune et celle-ci en phare blanc. Alors pour les protos, ça ne va pas changer grand-chose, je pense, en tout cas pour ma part, parce qu'on voit quand même les feux arrière d'une Porsche ou d'un proto, ça se voit quand même assez facilement entre la version proto et la version GT. Par contre, c'est vrai qu'entre pilotes de catégorie GTE, de nuit au Mans par exemple ou à Spa, ça peut être compliqué, enfin au Spa ou ailleurs d'ailleurs, ça peut être vraiment très très compliqué de s'y retrouver. Je suis obligé de soulager. Pour passer Blanchimont, ça passe pas encore pied à fond. Donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, l'équilibre au freinage est vraiment excellent. C'est une très très bonne voiture. Si vous n'avez pas encore de GTE et que vous souhaitez investir dans une GTE, que c'est votre première, je vous conseille celle-ci. Parce qu'elle paraît vraiment très abordable, très joueuse, très facile à piloter. Sincèrement, c'est très convaincant. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la présentation vraiment de cette voiture. Après, pour avoir un réel feeling, un réel feedback de ses possibilités, il faut travailler, il faut piloter. Ici, c'est vraiment un aperçu, une présentation que je vous offre. Elle est disponible au prix habituel, à savoir 12$, je pense. C'est-à-dire qu'avec la conversion, on en est pour 11-12€ avec les taxes, bien sûr, du côté de la Belgique et de la France. Donc, prix habituel. Il y a d'autres choses qui sont sorties d'ailleurs ce 5 juin avec cette troisième saison. Il y a notamment la nouvelle Subaru WRX, enfin GRX, pardon, Global Rallycross, qui est disponible, et un circuit dont d'ailleurs les développeurs se sont amusés à recréer l'accident de la safety car, puisque ce meeting avait eu lieu ce week-end et la Corvette safety car avait été goûtée au hop, au Tech Pro, au mur au concrete block, au mur de béton. Ils ont fait la même chose avec une IR 2018. Le clin d'œil était assez marrant. Non, sincèrement, je suis plutôt agréablement surpris de la stabilité de cette voiture. Ça peut être une nouvelle voiture favorite en GTE. Moi qui étais un peu réticent au GTE, avec la Ferrari et la Ford, regardez, on la lance et elle tient. Ouais, ça demande un petit peu de setup malgré tout, mais on a une voiture qui est très très bonne en passage de courbe et qui met rapidement en confiance, ce qui n'est pas le cas des deux autres. En tout cas, je vais terminer ce tour et je vais vous laisser profiter du son de cette Porsche en essayant d'attaquer un petit peu malgré le setup de base, et je vous reprends dans quelques minutes pour conclure la présentation de ce magnifique bolide.
Et bien voilà pour ces quelques plans en extérieur d'une Porsche qui, moi, m'a vraiment convaincu. Je vous invite, si vous aussi, vous avez eu l'occasion hier soir de tester cette voiture, et bien de me donner en commentaire votre ressenti, votre sentiment. En tout cas, moi, j'ai une nouvelle GTE favorite en la personne de cette Porsche et j'ai hâte de pouvoir prendre part à plusieurs courses à son volant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la présentation de cette nouvelle machine dans iRacing. On se retrouve très très vite pour découvrir plein d'autres belles choses, notamment un certain DLC dédié au circuit du Mans sur Project Cars 2. Merci à toutes et à tous, bon amusement en piste les amis, et à la prochaine. Ciao.